Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous et ravi de représenter ici la Société française de rhumatologie qui soutient ce salon, qui soutient cette association très très fortement, une association très très active et qui est vraiment bien évidemment orientée vers le patient. Et ça, pour une société savante, c'est très très important. Vous savez, la Société française de rhumatologie, c'est à peu près 2000 adhérents. C'est un congrès qui a presque 4000 participants chaque année de professionnels. Mais les associations de patients sont également présentes lors de ce congrès. Et puis il y a des actions de la Société française de rhumatologie qui sont bien évidemment beaucoup orientées vers le rhumatologue, vers la recherche en rhumatologie, mais qui a également une volonté vraiment de plus en plus d'entretenir des liens avec les associations de malades et en particulier l'AFPERIC. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, on est en 2015 et la vision du rhumatologue qui donne la bonne parole au patient et puis le patient n'a qu'à se taire est une période heureusement révolue et de plus en plus maintenant c'est du dialogue. De toute façon, on le voit bien avec tout ce qui est réseau social et autres. Maintenant, eh bien, il y a beaucoup plus de discussions et tant mieux. Et les sociétés savantes s'adaptent. Et ont maintenant vraiment une volonté d'entretenir encore plus ce dialogue du rhumatologue vers vous et de vous vers le rhumatologue. Alors vous allez le voir là dans le programme, il y a beaucoup de nouvelles informations avec des orateurs qui vont vous présenter des nouvelles données de la pratique, également de la recherche. Et en fait, eh bien, c'est une preuve qu'il y a une vraie volonté de partenariat pour que justement on ait ce retour qui est fondamental, vous donner de l'information mais également avoir ce retour. Et je sais pour avoir déjà participé à ce salon qu'il y a toujours cette interactivité et donc je suis sûr que cette année ce sera pareil. Donc bon congrès, bon salon sur ces deux journées et bien évidemment continuons cette association entre nous. Merci.